Goedemiddag allemaal, bonjour tout le monde. Au nom du service communication de la Banque nationale et le département des études, je vous souhaite la bienvenue à ce séminaire in naam van de communicatiedienst van de Nationale Bank en ook van het departement studies van de bank heet ik u van harte welkom bij dit seminari. Nous sommes très nombreux aujourd'hui, plus de 4500 personnes se sont inscrits et ça nous fait un grand plaisir. Meer dan 4500 mensen hebben ingeschreven om dit digitale seminarie van de bank vandaag te volgen en dat doet ons uiteraard een groot plezier. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous nos projections économiques pour la Belgique, un thème d'actualité dans le contexte COVID évidemment. We gaan vandaag tijdens dit seminarie, het volgende uur, onze economische projecties voor België in een COVID-19 context met u delen. De presentaties zullen gedaan worden door de gouverneur van de bank en door een macro-economist van onze studiedienst, Geert Langenus. Les présentations seront faites par le gouverneur de la banque, Pierre Wunsch, et par un macro-economiste de notre département des études, Geert Langenus. De presentatie zelf duurt ongeveer een goed half uur en nadien is de gouverneur en Geert Langenus uiteraard bereid om jullie vragen te beantwoorden. Indien u vragen heeft, dan vragen we hiervoor de chatfunctie te gebruiken van de tool die we vandaag gebruiken. La présentation sera donnée par le gouverneur, donc. Et Geert Langenus, et la présentation dure environ une demi-heure. Ensuite, Geert Langenus et le gouverneur répondront avec plaisir à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez utiliser le mot chat pour cela. Je voudrais maintenant donner la parole à notre gouverneur Pierre Wunsch. Ik geef graag het woord nu aan gouverneur Pierre Wunsch. Pierre, tu es encore mute. Pardon, j'étais sur mute, évidemment. Donc, comme on le rappelait récemment, la phrase la plus répétée depuis quelques semaines, you're on mute, you're it up mute, tu es sur mute. Et donc, j'avais effectivement oublié de déclencher le son. Pardon. Donc, je vais moi essentiellement me contenter de donner les messages principaux. Et c'est Geert qui va faire la présentation pour la partie plus technique. Et puis à la fin, au potent, Zalik Sorgevoorde conclusie, misschien meer de overheidsfinanciën aspect. En dan kunnen we misschien iets zeggen over de relance. Hein. Dus de belangrijkste boodschappen. Ja, we beginnen te spreken over de grande récession, hein, de grote recessie. Die zwaarder, duidelijk zwaarder is dan de crisis van 2008 en 2009. We beginnen die te vergelijken met de jaren 20. Misschien was de risico, zouden we niet gedaan hebben, inderdaad groot zijn dat de economie zouden kunnen instorten in België of in andere landen. Nu, ik denk dat wat de overheidsbeleid betreft, en ik spreek van de centrale banken en de overheden, in Europa en België was in dit geval zeer gepast. Ce qui a permis effectivement d'empêcher ou d'éviter le pire. Donc je crois que, pour le redire autrement, effectivement, si on n'avait rien fait, on aurait pu arriver dans des zones comparables aux années 20. Je crois l'analogie à la guerre aussi qu'on a tendance à utiliser, je pense qu'il faut un tout petit peu la nuancer. Notre infrastructure économique reste intacte et un dus de daging bestaat erin om zoveel mogelijk de economie die bestond voor de crisis intact over te brengen naar ja, een post-COVID economie. Maar we weten dat het niet allemaal mogelijk zal zijn en dat komt zeker in onze prognose, dat een deel van onze economie structurele schade zal leiden. Bon, pour le reste, nous attendons à ce que ce soit la consommation des ménages qui soutienne la reprise dans un premier temps, alors que les investissements des entreprises prendraient plus de temps avant de reprendre du tonus. Om meer spécifique te zijn, en het is een beetje misschien een verrassing,
Maar niet alleen de huishoudens zouden 20 miljard besparen dit jaar, wat de volgende jaar, de consumptie van de volgende jaar kan financieren. Maar we komen zelf tot een raming van beschikbaar inkomen die dicht bij nul, dus niet te negatief of zelfs licht positief zullen zijn dit jaar. On estime le coût total de la crise à une cinquantaine de milliards d'euros. Et vous verrez qu'on vous propose une répartition des coûts entre les ménages, les entreprises et l'État. Mais je peux déjà anticiper sur le fait qu'à peu près deux tiers du choc sera absorbé par l'État. Ce pourquoi j'ai d'emblée plaidé en disant qu'on devait mettre la politique d'assainissement de côté. Het is misschien spijtig dat we het niet meer gedaan hebben voor de crisis, maar op het moment dat de crisis start was het van enorm groot belang dat wij zeer snel en dus tijdig gericht, maar ook tijdelijke maatregelen, ambitieuze maatregelen zouden nemen. Et je peux revenir encore une fois après sur la question de la relance. J'insiste encore une fois, et Geert le fera, sur toute l'incertitude qui entoure les chiffres qu'on vous présente aujourd'hui. Non seulement parce qu'il reste une incertitude sur le front de l'épidémie, est-ce qu'on n'aura pas une deuxième vague ou pas? Probablement qu'on en aura une, mais la question c'est de savoir si on peut la maintenir à un niveau local, de sorte qu'on n'ait pas de mesures de lockdown d'importance au niveau macroéconomique. Et puis par ailleurs, simplement, l'incertitude reste élevée au niveau de l'environnement international, dont nous dépendons beaucoup comme petite économie ouverte. Hoe dan ook zal de crisis een zwaar impact hebben op onze openbare overheidsfinanciën. De schuld zal met 20% stijgen in één jaar. Maar ook het tekort, en misschien belangrijker, 2020, het is denk ik onvermijdelijk dat het tekort stijgt, maar wij komen met een raming van een tekort van dicht bij 6% in 2022. En dat wil zeggen dat op ongewijzigd beleid de schuld zou stijgen min of meer 3% per jaar na 2022. En dat wil ook zeggen dat hoe dan ook, dat we gaan naar een schuld van dichtbij onder 30% van de BBP. En dan is de hele vraag, ja, wat kunnen wij ons veroorloven in dat verband? Misschien volgende slide. Ja, dus de volgende slide gaat over de internationale omgeving. Ik denk niet dat ik het lang moet houden. De cijfers zijn niet mooi. Duidelijk een enorme groot klap op niveau van buitenlandse handel. En voor wat de eurozone betreft een raming van groei min 8,7% dit jaar. En dan een heropstart die maakt dat wij in feite 3 jaar groei zouden verliezen. Hein, puisque on reviendrait fin 2022 au niveau de PIB initial. Et vous verrez qu'en fait, les chiffres belges, comme souvent d'ailleurs, sont très proches de la moyenne européenne. Slide suivant. Et le slide suivant, en fait, est déjà pour Geert. Geert, the floor is yours. Bedankt Pierre, goedemiddag, bonjour à tous et bonjour à toutes. Dus ik zal jullie de vooruitzichten voor de Belgische economie wat meer in detail voorstellen, maar ik wou even aanpikken bij wat de gouverneur daarnet gezegd heeft. De onzekerheid voor deze raming is echt bijzonder groot en dat heeft ook een specifieke technische reden, omdat de econometrische modellen die we gebruiken, die zijn eigenlijk geschat over een heel lange periode. Men probeert lessen te trekken uit verbanden die we in het verleden hebben gezien, of die we hebben vastgesteld, maar het probleem is dat althans voor de periode waarover de modellen zijn geschat, we nooit zoiets als de schok van vandaag hebben gezien. Dus we zitten daar een beetje in uncharted territory. Wat betekent dat we onze modellen wat moeilijker kunnen vertrouwen of wat minder kunnen vertrouwen dan gewoonlijk. En eigenlijk vraagt men ons een beetje te voetballen met een rugbybal. Dat gaat, maar de precisie is natuurlijk veel minder dan gewoonlijk. En zo weet u ook dat ik mijn favoriete hobby een beetje mis. Maar dat alles om u te zeggen dat we meer dan anders zijn aangewezen op wat men in mooi Nederlands noemt expert judgment. We proberen dat natuurlijk zoveel mogelijk te voeden met allerlei informatie, allerlei indicatoren die we overal kunnen vinden. En belangrijk daarbij zijn natuurlijk de resultaten van onze surveys, die we sinds, denk ik, midden maart of de tweede helft van maart in elk geval, ongeveer elke week nu in een tweewekelijkse frequentie doen. En u ziet rechts in alle transparantie eigenlijk hoe we de korte termijn
voor de rest van 2020 invullen qua bbp-groei. Dus daar tonen we het verlies aan toegevoegde waarde of de evolutie van de toegevoegde waarde in de privésector in de laatste drie kwartalen van 2020. Nu, uit de surveys leren we dat in ongeveer de hele periode van de lockdown, als ik het zo mag noemen, van de beperkende maatregelen, dat de privésector daar eigenlijk maar op ongeveer 2/3 tot 70% capaciteit draaide. Wat dus betekent dat er een verlies was van toegevoegde waarde, of dat we kunnen ramen in elk geval, op ongeveer 30%. Maar u ziet dat we ervan uitgaan dat dat verlies geleidelijk aan in verschillende stapjes, u ziet daar de maandstapjes, geleidelijk aan kleiner zou worden. Het herstel is traag, geleidelijk en blijft onvolledig. Nu, als we dan een klein beetje uitzoomen naar de middellange termijn, en de gouverneur heeft eigenlijk daarnet al gezegd, in ongeziene tijden heeft dat in moderne tijden, sorry, een ongezien verlies aan bbp van bijna 10%, dus 9% in 2020 en een onvolledig en geleidelijk herstel van 6,4% en 2,3% in de volgende jaren. Het stippellijntje dat u op de grafiek ziet, toont eigenlijk de prognoses die we de vorige keer hadden, die we eigenlijk in december hebben gepubliceerd. En in principe kan u het verschil, dus de integraal eigenlijk, tussen dat stippellijntje en de blauwe, de ononderbroken blauwe lijn, een beetje interpreteren als zijnde het coronaverlies. Ik ga daar op het einde van mijn interventie nog iets meer over vertellen, maar u ziet dat we daar eigenlijk nooit... We keren eigenlijk amper terug naar het niveau dat we in 2019 hebben gehad. Dus inderdaad, 3 jaar van groei zijn ook in België verloren. Maar we keren absoluut niet terug naar het niveau dat we zouden gehaald hebben, de stippellijn, zonder de coronacrisis. Oké, en de ramingen zijn, zoals we gezegd hebben, je mag nog even bij de vorige slide blijven. De ramingen zijn, zoals we gezegd hebben, heel onzeker. En daarom hebben we ook een wat slechter alternatief scenario bekeken. En ik durf de cijfers zelf niet uitspreken. U ziet ze daar op de grafiek staan. De groei zal uiteraard nog heel wat lager zijn. Daar, maar belangrijk is om te weten dat dat het scenario is dat consistent zou zijn inderdaad met een tweede opstoot van het coronavirus. Een situatie waarin we de gezondheidsperikelen niet onder controle krijgen en waarin er waarschijnlijk nieuwe maatregelen zullen nodig zijn. Dat is één mogelijkheid. Tweede mogelijkheid, een situatie waarin de vraag zich minder gaat herstellen, zowel de binnenlandse vraag als de buitenlandse vraag, dan we op dit moment denken. En daar wil ik ook heel duidelijk zijn, dus wat u op de rechtergrafiek ziet, zijn onze huidige hypothesen. Het komt er nu natuurlijk op aan om te monitoren dat dat effectief zo zal zijn. Dus ik nodig u uit om maandag naar ons persbericht te kijken van de nieuwe ERMG survey, waar we opnieuw zullen rapporteren over het omzetverlies in de privésector. En u kunt dan zien waar we ongeveer zitten in vergelijking met het scenario van de ramingen. In principe, als ik heel exact moet zijn, zitten we daar eigenlijk nu al in mei, of zaten we daar voor mei, eigenlijk al een klein beetje onder, want u herinnert zich misschien dat we eind mei nog een omzetverlies van 25% hadden, terwijl we hier eigenlijk al rekening hadden met 20%. Nu, de onzekerheidsmarge is natuurlijk ook groot rond die enquêtes, dus ik zou zeggen dat we in de buurt van de enquêtes zitten. Alors, si le souhait, slide suivant, s'il vous plaît, si on fait le tour des composantes de demande, et on commence par la consommation privée, on croit que ce sera effectivement la consommation des ménages qui rebondira le plus vite après la chute, je dirais dramatique, qu'on voit ce trimestre-ci. Ou en tout cas, rebondira plus vite que les investissements, comme vous verrez plus tard. Donc on l'a déjà vu partiellement, en fait, avec la réouverture des magasins non alimentaires le 11 mai, je crois. Vous voyez l'évolution du chiffre d'affaires là à droite du slide. Donc, dans notre communication, on a bien insisté sur le message qu'on n'a pas encore atteint les niveaux d'avant-crise. Loin de là même, mais évidemment c'était déjà beaucoup mieux que quand les magasins étaient fermés et quand il n'y avait que des ventes online ou des ventes dans des grandes surfaces. Donc selon nous, cette tendance d'amélioration va se poursuivre, surtout avec la réouverture cette semaine-ci de l'Horeca. Faire des courses deviendrait simplement un peu plus agréable. Et après la chute énorme, donc on compte sur un rebond
relativement dynamique quand même de la consommation privée, de nouveau relativement ou relatif par rapport aux autres composantes de monde. Un rebond qui ne sera certes pas complet dans un premier temps, ou même cette année, ou même pour toujours, parce qu'il y aura bien sûr des types de consommation qui resteront évidemment au niveau plus bas pour beaucoup plus longtemps, réfléchis. Par exemple, le tourisme, par exemple, tout ce qui est lié aux grands événements. Wat zijn dan op de volgende slide alsjeblieft de macro-economische drivers van dat herstel van de consumptie? Wel, één daarvan ziet u daar. Het is een beetje vreemd om het zo te zeggen, maar eigenlijk is wat we in de voorbije maanden hebben gezien een vorm van een soort forced saving of opgekropt sparen. Vooral tijdens de lockdown waren er veel minder mogelijkheden om te consumeren. Natuurlijk kon je online bepaalde dingen kopen, maar je kan bijvoorbeeld niet online naar de kapper gaan of dat soort zaken. Dus de consumptiemogelijkheden waren gedurende een groot aantal weken, zowel in het eerste trimester, maar vooral in het tweede trimester, eigenlijk heel beperkt. Tegelijkertijd stellen we vast dat het inkomen van heel wat mensen, ik ga daar straks dieper op ingaan, maar het inkomen van heel wat mensen nog op peil blijft. Dus die twee samen betekent dat men eigenlijk een beetje gedwongen was om te sparen. En waarna we die toename op ongeveer 20, enfin een spaarquote liever, op ongeveer 20% in 2020. En om het helemaal met het cijfer 20 verenigbaar te maken, de gouverneur heeft dat net al gezegd, dat betekent in miljarden ook ongeveer 20 miljard aan bijkomende spaarmiddelen. Het veel voorkomen van het cijfer 20 is uiteraard volledig toeval. Nu, het feit dat men ongewild of geforceerd moet sparen, betekent ook dat van zodra de mogelijkheden er weer zijn, dat men natuurlijk die aankopen wel gaat doen. Men heeft bijvoorbeeld aankopen van meubels of onderhoud van wagens of weet ik veel wat uitgesteld tot wanneer het kan. Wel, nu kan het weer, dus we verwachten dat de consumptie eigenlijk vanaf, ja nu eigenlijk, of vanaf vooral het tweede de tweede helft van dit jaar opnieuw wat sneller gaat toenemen en zelfs sneller gaat toenemen dan het beschikbare inkomen. Dus in de jaarcijfers op de rechtergrafiek ziet u dat eigenlijk vooral in 2021, omdat het in de tweede helft van dit jaar uiteraard vooral aftekent in de groeivoeten van het volgend jaar. Wat betekent dat de spaarquote natuurlijk ook weer geleidelijk zal normaliseren. U ziet dat we niet helemaal teruggaan naar het niveau dat we in 2018 of 2019 hadden. Omdat er natuurlijk ook nog, het is niet alleen geforceerd sparen, maar er is ook nog een vorm van voorzorgssparen. Mensen zijn toch wel altijd licht ongerust over de toekomst, wat er gaat gebeuren. Dus dat geforceerd sparen zal misschien verdwijnen. Het voorzorgssparen blijft misschien nog iets langer in de cijfers hangen. Alors, les slides suivants, s'il vous plaît. Donc, en parlant du pouvoir d'achat des ménages, je pense que le deuxième constat, et peut-être la conclusion la plus importante de nos projections, est que celui-ci est bien sûr affecté négativement par la crise, j'y reviens tout à l'heure, mais grâce aux stabilisateurs automatiques qui sont extrêmement développés en Belgique et qui ont aussi été renforcés par les mesures prises par le gouvernement, en fait, le pouvoir d'achat s'en sort encore relativement bien. Donc, malgré la plus grande crise depuis pratiquement 100 ans, ou 90 ou 80 ans en tout cas, on trouve que le pouvoir d'achat, ou disons-le comme ça, que le revenu disponible réel des ménages augmentera encore légèrement de 0,5 en 2020. Si on corrige par la croissance de la population et donc on regarde le pouvoir d'achat par tête, on retombe à exactement zéro. Bon, c'est pas brillant, bien sûr que le pouvoir d'achat n'augmente pas, mais c'est pas une baisse, tandis que le PIB s'effondre de 9%. Et dans les années à venir, donc 2021 et 2022, vous voyez que le pouvoir d'achat va petit à petit grimper à nouveau, et donc en moyenne, il y aura de 0,5 plus ou moins le pouvoir d'achat qui augmente, une augmentation du pouvoir d'achat en moyenne de 0,5 chaque année. Donc ça, c'est quand même un constat relativement important. Je tiens à préciser que ce qu'on regarde ici, ce sont des moyennes macroéconomiques. Donc mon salaire, par exemple, j'espère en tout cas le gouverneur est là pour le confirmer, ou pas le confirmer, mais mon salaire ne va pas diminuer à cause de la crise.
En fait, cela va encore augmenter parce qu'on a reçu une indexation comme beaucoup de salariés au début de l'année. Et en fait, l'indexation est plus importante que l'inflation qui est très basse, j'y reviendrai tout à l'heure, cette année-ci. Donc en fait, il y a un boost réel de beaucoup de salaires. L'autre côté de la médaille, c'est que beaucoup de groupes, quand même pas mal de groupes dans la société, perdront quand même, donc notamment les chômeurs temporaires ou les chômeurs complets, notamment les indépendants qui voient leur chiffre d'affaires s'effondrer, notamment les étudiants, jobistes, etc. Donc ce que vous voyez ici, le pouvoir d'achat stable ne vaut pas pour chacun dans la population, bien sûr, mais vaut en moyenne pour la population. Et c'est quand même un constat important. In de volgende slide kijken we dan naar de investeringen, de tweede grote vraagcomponent. En daar zie je een nog diepere terugval eigenlijk in 2020, of om heel precies te zijn, in de eerste helft van 2020. En vooral een veel trager herstel daarna. En dat is toch eigenlijk niet verwonderlijk, want er is enorm veel onzekerheid momenteel in de economie. Ik herinner aan dat er bepaalde sectoren momenteel nog altijd gesloten zijn. Dus uiteraard gaan die ondernemingen niet investeren. Maar ook de andere ondernemingen die wel open zijn, kijken nog een beetje de kat uit de boom. In welke mate zal de vraag zich herstellen? Twee, de ondernemingen zijn ook zwaar getroffen door de crisis. Hun winstmarges zijn eigenlijk sterk geraakt, misschien zelfs sterker dan beschikbaar inkomen van huishoudens. Wat dus betekent dat ze mogelijk wel wat zullen wachten of zich in elk geval niet zullen haasten om te gaan investeren. Dat is ook wat ondernemingen ons zelf vertellen. In die enquêtes waar ik daarnet over sprak, zeggen ongeveer 2/3 van de ondernemingen ons dat ze de investeringen zullen uitstellen. En van die 2/3 zegt de ruime helft, dus eigenlijk 1/3 van het totaal aantal ondernemingen, dat ze nog geen nieuwe datum hebben. Wat dus eigenlijk meer afstel dan uitstel is. En wat ons daarin bijzonder opvalt, is dat het voornamelijk de grote ondernemingen zijn. Toen we die vraag hebben gesteld, denk ik eind april, die zeiden: wij gaan investeringen uitstellen. Natuurlijk, de grote ondernemingen zijn precies belangrijk voor de macro-economische investeringen. En nog meer bepaald zijn het vooral in de ondernemingen en industrie die dat antwoord geven. En waarom? Wel, kijkt u op de rechtergrafiek onderaan. U ziet dat de belangrijkste belemmering eigenlijk voor het heropstarten, en dus voor het COR ook voor nieuwe investeringen, daarvan geeft men aan dat dat de vraag is. Een slabbakkende vraag of onzekerheid over het herstel van de vraag. Voor de totale economie is ongeveer 62 of 63% van de ondernemingen die dat aangeeft. Maar in de industrie bijvoorbeeld is dat eigenlijk al meer dan 70%. Wat ons doet vermoeden dat het niet alleen met de binnenlandse vraag te maken heeft, maar ook vooral onzekerheid rond het herstel van de internationale handel of de buitenlandse vraag. Alors, si on parle du commerce international, on va regarder dans la slide suivante les exportations et les importations. Là, l'image est un petit peu plus compliquée ou moins compliquée, comme vous préférez, parce qu'effectivement, les exportations s'effondrent, évidemment aussi, comme tous les agrégats macroéconomiques en 2020. Mais vous voyez que c'est aussi le cas pour les importations. Et de nouveau, ce n'est pas une surprise, parce qu'en fait, une partie de tout ce qu'on consomme, une partie de tout ce qui est investi en Belgique est aussi importé. En fait, une partie de tout ce qui est exporté est aussi importé. Donc en fait, si tout s'effondre, les importations vont diminuer dramatiquement aussi. Et vous voyez que, en fait, c'est un peu une chute parallèle qu'on voit. Et de la sorte, la contribution nette, la contribution des exportations nettes à la croissance, évidemment négative dans les 3 années de la période de projection, mais est relativement limitée, donc 0,4, 0,4, 0,2 par rapport à tout le reste en fait. Et ça, c'est simplement parce que les exportations chutent, mais les importations aussi. In de volgende slide kijken we dan naar de arbeidsmarkt. En we moeten altijd onze woorden natuurlijk goed kiezen, maar daar vinden we toch dat de gevolgen van die bijzonder zware crisis op de arbeidsmarkt al met al beperkt blijven. Beperkt, uiteraard tussen aanhalingstekens. Dus wat u daar eigenlijk vooral ziet op de linkergrafiek, waar we eigenlijk het BBP een beetje uitsplitsen in werkgelegenheid, productiviteit en de werkduur, dus de gemiddelde werktijd voor een werknemer.
bijopvoerende en werkende liever. Wat u daar eigenlijk vooral ziet, is dat er in eerste instantie, en dat zijn de oranje blokjes, die heel groot zijn, we hebben de schaal bijzonder groot moeten kiezen op die grafiek, die heel groot is in 2020 Q2. Waarom daalt de gemiddelde werktijd daar zo snel of zo sterk? Wel, dat heeft alles te maken met het systeem van tijdelijke werkloosheid. De benaming van tijdelijke werkloosheid is een beetje misleidend, omdat die mensen eigenlijk niet werkloos zijn. Dus ze zijn nog altijd officieel werknemer van hun werkgever, van hun onderneming. Alleen werken ze ofwel niet, ofwel aan een verlaagd regime. Als ze bijvoorbeeld 1 dag of 2 dagen per week tijdelijk werkloos zijn. Dus in eerste instantie wordt de schok geabsorbeerd door heel veel, u kent de cijfers, men spreekt over cijfers tot bijna 1 miljoen, wat 4 keer de grote recessie is, door heel veel tijdelijke werkloosheid. Dus door een heel sterke daling voor de economie als geheel van de gemiddelde werktijd. Nu, naarmate dat die maatregel natuurlijk zijn einde kent, en die is nu wel onlangs na het afsluiten van onze ramingen verlengd, maar uiteraard is dat maar een overgangsmaatregel die op een gegeven moment zal ophouden, en dan zullen wel de echte ontslagen, ze worden nu al met diverse herstructureringen en zo aangekondigd, maar dan zien we in de rest van het jaar toch wel wat ontslagen. De blauwe blokjes is het verlies aan werkgelegenheid, die zijn bedrieglijk klein omdat we de schaal natuurlijk zo groot hebben moeten nemen voor de gemiddelde werktijd, maar al met al gaat het toch eigenlijk tussen nu, of laten we zeggen tussen het begin van de crisis en de rest van dit jaar, om een kleine 190.000 bijkomende werklozen. Dus dat zijn mensen die hun werk verliezen. Maar tegelijkertijd groeit natuurlijk ook de bevolking op arbeidsleeftijd en de bevolking die aan de arbeidsmarkt participeert aan. Wat dus betekent dat het aantal werklozen nog iets groter is dan jobverlies. De jaarcijfers zijn een beetje bedrieglijk daar. Je hebt de indruk dat het allemaal wel wat minder is. Min 67 ziet u daar, en min 23. Maar dat komt door allerlei vreemde overloop-effecten. Dus het is best om te kijken naar de kwartalen waarin de actie is, zal ik maar zeggen. Dus waarin effectief een kleine 190.000 jobs, of kleine 190.000 om precies te zijn, werklozen bijkomen. Dat betekent ook dat de werkloosheidsgraad, die historisch laag was voor de crisis, dat die eigenlijk geleidelijk zal toenemen tot 7,3% dit jaar en tot 8,3% volgend jaar, om daarna in 2022 alweer wat te dalen. Dat zijn natuurlijk geen cijfers om vrolijk van te worden. Bijna 200.000 bijkomende werklozen is niet niks natuurlijk. Maar tegelijkertijd zijn het geen Amerikaanse cijfers. Dus het is niet zo dat we van een laagte record in de werkloosheid naar een hoogte record in de werkloosheid gaan. Uiteindelijk in de geschiedenis van België is 8% werkloosheid eigenlijk niet zo heel uitzonderlijk. En als je me per mij de passer au slide suivant, là on parle de l'inflation, et je vais commencer par l'inflation sous-jacente que vous voyez dans le graphique à gauche. Mais permettez-moi d'abord de dire quelques mots sur les coûts salariaux. J'ai supprimé, il y avait un slide avec les détails, mais je l'ai supprimé pour gagner un peu de temps. Mais vous voyez qu'il y a quand même une évolution un peu remarquable au niveau des flûtes. Je pense que c'est vert, mon ordinateur n'est pas très clair sur ce plan. Mais dans les flûtes vertes, donc il y a une augmentation énorme en 2020 et puis pratiquement zéro en 2021. Donc ça, c'est les coûts salariaux qui montent beaucoup cette année-ci et qui se normalisent l'année prochaine. Pourquoi? Bien, c'est simplement la productivité, ou c'est surtout la productivité qu'on voit là-bas. Pourquoi est-ce que la productivité diminue énormément cette année-ci? Donc ça veut dire que les coûts salariaux par unité produite augmentent beaucoup. Bien, ça, c'est dû au phénomène de labor hoarding. Donc les entreprises ont certaines réticence de licencier des gens, donc il y a beaucoup d'incertitudes. Donc les entreprises en fait gardent un peu leur personnel, même si leur productivité diminue un petit peu. Vous voyez que c'est volatile, c'est temporaire, donc ça disparaît des chiffres déjà à partir de 2021. Mais là, les marges bénéficiaires en fait ont un comportement un peu inversé. Donc évidemment, ce n'est pas une surprise, en 2021,
il y a une baisse énorme au niveau des marges bénéficiaires parce que les coûts fixes des entreprises continuent à devoir être payés, mais les ventes diminuent ou l'entreprise est même fermée pendant plusieurs semaines. Donc, choc sur les marges bénéficiaires. Mais vous voyez qu'en 2021, quand les coûts salariaux commencent à se normaliser, on ne pense pas que les entreprises vont diminuer les prix, peut-être bien au contraire. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ils veulent en profiter ou ils doivent en profiter pour augmenter un peu leur rentabilité, surtout s'ils doivent toujours fonctionner à une capacité réduite. Par exemple, les restaurants oui, qui doivent respecter les social distancing, les normes social distancing et autres. Donc, tout compte fait, si on prend tous ces développements en compte, en fait, ils s'annulent plus ou moins un petit peu. Donc, ça veut dire que l'inflation sous-jacente est relativement stable. Donc, OK, il y a une petite augmentation parce que les coûts salariaux augmentent quand même un petit peu vers 1,7 en 2022, mais c'est plus ou moins plat pendant toute la période de projection. À droite, vous voyez que ce n'est pas du tout en fait le cas pour l'inflation totale, Harmonized Index on Consumer Prices, comme on dit dans notre jargon technique. Pourquoi? Ben, vous voyez la flûte ou la barre bleue, là, ce sont les prix énergétiques. Et évidemment, comme le pétrole est devenu beaucoup moins cher cette année-ci, même s'il y a un petit rebond après la clôture des projections, l'inflation des prix énergétiques est très négative. Et en fait, cela veut dire, ou cela implique que l'inflation totale reste proche de zéro, qui est aussi pas trop commun en Belgique. Donc on a une inflation de 0,3 en 2020, malgré la stabilité de l'inflation sous-jacente. Et c'est simplement dû au prix du marché, prix international du pétrole, en fait. OK, de volgende slide, alsjeblieft. Voilà, dan wil ik bij wijze van samenvatting, vooral het woord teruggeven aan de gouverneur, nog eens een soort helicopter view op onze projecties geven door te kijken naar de inkomensstromen. En u ziet ze daar heel rudimentair samengevat op één slide. Als we beginnen op de linker slide, ziet u wat er gebeurt met de inkomens van de huishoudens en de ondernemingen. En dat is uiteraard niet mooi. Hè. U kijkt naar de blauwe blokjes, dat zijn de marktinkomens. Dus voor huishoudens spreken we dan over lonen bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld over inkomsten van zelfstandigen die in de nationale rekening als huishoudens worden aanzien. Dus alles wat men verdient op de markt of de primaire inkomens. U ziet dat de slag daar eigenlijk voor de huishoudens fenomenaal groot is. Zij verliezen dit jaar ongeveer 25 miljard. Of liever, zij zouden 25 miljard verliezen, mocht er geen overheid zijn. Want de grijze blokjes daarboven tonen wat de overheid doet aan haar verdeling. En om dat wat concreter te maken, daarmee bedoel ik, als men bijvoorbeeld zijn werk verliest of als men minder inkomen heeft, moet men ook minder belasting betalen. Dus dat is een van de kanalen van herverdeling. Als men tijdelijk werkloos wordt, krijgt men een tijdelijk werkloosheidsvergoeding. Als men zelfstandig is, kan men aanspraak maken op bijvoorbeeld de overbruggingsrechten enzovoort enzovoort. Dus de hele omvang of de volledige scope van de herverdeling ziet u daar eigenlijk in het grijze blokje bovenaan. En u ziet dat bijna alles, ik overdrijf nu een beetje, maar ongeveer 80% van het verlies aan marktinkomen van de gezinnen eigenlijk door de overheid wordt gecompenseerd. Dus dankzij de overheid verliezen gezinnen maar, tussen aanhalingstekens, 5 miljard dit jaar. Idem voor de ondernemingen, dus ook daar heb je marktinkomens. Dat zijn natuurlijk hun verkopen, een zakencijfer dat enorm daalt in deze periode. Met, denk ik, een kleine 13 miljard. Maar ook daar komt de overheid tussen. Dus de overheid geeft aan de ondernemingen bijvoorbeeld hinderpremies of de overheid moet uiteraard accepteren dat ondernemingen dan ook minder belasting betalen, enzovoort, enzovoort. Dus ook daar zie je een compensatie op het niveau van de inkomens van ondernemingen, maar die compensatie is veel minder groot dan voor de gezinnen. Dus uiteindelijk blijven de ondernemingen achter met een verlies aan inkomen van ongeveer 8 miljard. Dus gezinnen 5 miljard, 2% koopkracht, denk maar.
en ondernemingen ongeveer 8 miljard, wat ongeveer 10% van hun beschikbaar inkomen is. Wie is dan de grootste verliezer van de hele afrekening? En daar, la note est très salée, comme on dit en français, dat is uiteraard de overheid. Dus de overheid absorbeert het grootste deel van de schok op de inkomens dit jaar, wat dus betekent dat hun inkomen, dus denk tekort enzovoort, achteruit gaat met 34 miljard, wat kolossaal is. Ik herinner u, de gouverneur heeft het in het begin al aangeduid, in 2019, ik denk in onze vorige persconferentie over de raming in 2019, in ons jaarverslag maakten we ons zorgen over tekorten die in de regio van 10, 11, 12 miljard lagen. Hier komt er in één jaar tijd meer dan 30 miljard bij. En op deze vrolijke noot geef ik het woord terug aan de gouverneur. Ja, sorry. Ik had een probleem met om mij te unmuten. Bedankt, Geert. Misschien kunnen wij terug op de presentatie? Of ja, zien jullie de presentatie? Oké, ik zie die niet meer, maar... misschien volgende slide. Ja, ik zal het kort houden, maar allee, duidelijk, en Geert heeft erop gealludeerd, een enorme klap negatief voor de overheidsfinanciën, voor wat de overheidsfinanciën betreft in 2020. Een tekort van bijna 11% van de BBP. Oké, ik heb van in het begin ervoor gepleit om de nodige en ambitieuze maatregelen te nemen om een instorting van de economie te vermijden. Ik denk van wat groter belang is het tekort, geraamde tekort in 2020, 6%. Misschien ook kijken naar het niveau van de primaire uitgaven, 54%. Dat is een relatieve hoog cijfer, hoger dan voor de crisis. En we waren tot 52% gegaan. En dan het was gedaald tot rond de 50%. Misschien de volgende slide. Ik denk dat er nog één slide is. Ja, hier zien wij wat het impact is op de schuld. Dus in 2020 is er een combinatie van de daling in de BBP en de stijging van het tekort. En donc on arrive à une dette à peu près 20% supérieure. On arrive à 120%. Et elle se stabilise par après, mais c'est évidemment parce que la croissance, dans une phase de relance, est supérieure au potentiel de croissance. On sait qu'avec un déficit de 6%, de 6% par an, on a normalement, par rapport à une croissance potentielle de 2 fois 1,5%, inflation et croissance réelle, on a une croissance de la dette d'à peu près 3% par an. Le déficit, et je ne plaide évidemment pas pour qu'on le réduise trop rapidement, il faut donner un peu d'oxygène à l'économie, donc je ne plaide certainement pas pour une reprise de l'assainissement dans les mois qui viennent, et donc ça prendra en tout état de cause des années. Donc on prend rendez-vous avec une dette qui va vraisemblablement atteindre au moins 130% du PIB. En dan stelt zich de vraag, ja, hoeveel kunnen wij ons veroorloven? Dus onze tekort was al vrij hoog voor de crisis. Wij gingen naar richting 3%. En we hebben inderdaad minder middelen dan landen zoals Nederland en Duitsland, die uiteindelijk een meer Keynesiaanse beleid voeren. Als het niet nodig is, besparen ze. En nu zijn ze bezig, en zeker in Duitsland, met zeer ambitieuze begrotingsmaatregelen om de economie te ondersteunen. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire comme l'Allemagne, un plan de 4%, et je ne suis pas du tout sûr que c'est la fin du PIB, en plus de tout ce qui a déjà été annoncé et qui a été fait. Bon, peut-être plusieurs considérations. Dès le départ, encore une fois, j'ai plaidé pour qu'on prenne des mesures ambitieuses, qu'on mette la politique d'assainissement de côté, qu'on prenne des mesures ambitieuses pour soutenir l'économie, mais qui devaient être à la fois les fameux 3T, timely, targeted and temporary, dus tijdig, gericht en tijdelijk. Parce que, effectivement, un déficit de 6% en 2021-2022 montre qu'on ne peut pas s'engager dans des efforts qui auraient un impact structurel, soit en recettes, soit en dépenses,
à long terme. On devrait de toute façon le redéfaire au bout du chemin. Donc ça, c'est une première considération. Est-ce qu'il faut faire quelque chose en solvabilité pour soutenir les entreprises et éviter les faillites? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut faire quelque chose en liquidité? Oui, bien sûr. Donc en fait, toutes les mesures qui ont été prises par les gouvernements jusqu'à présent, je les ai soutenues. J'ai même parfois incité le gouvernement à faire plus. Je pense aussi qu'il est raisonnable de faire quelque chose pour les secteurs de phase 3 qui ont été impactés plus durement par le lockdown. Donc on peut discuter des modalités. Maar ik denk dat dat zinvol is. Maar blijft de vraag, hebben wij de middelen om wat Duitsland doet te doen? Het is een moeilijke vraag. Hein? De rente zijn duidelijk zeer laag, negatief in reële termen. Et donc on pourrait dire qu'en fait, tant que les taux d'intérêt sont négatifs, sky is the limit. Mais on sait aussi que ça peut se retourner très vite. On l'a vu avec l'augmentation des spreads vers 2012-2013 en Belgique, les emprunts à le terme, on a emprunté à 5%. Donc il y a quand même des considérations à avoir en termes de risque. Maar dan ook over de, hoe efficiënt zo'n herstelbeleid zijn, een politiek de relance. We hebben hier in de slides gezien dat de huishoudens in België die al relatief rijk zijn in België met een netto patrimonium die een van de hoogste is ter wereld. Ze hebben een spaarquote, ze hadden al hun spaarquote hun sparen in 19, dus een deel van de verhoging van de beschikbaar inkomen was niet uitbesteden. Et on voit maintenant probablement une épargne forcée d'à peu près 20 milliards. Donc notre sentiment, c'est quand même que, voilà, en dehors, c'est un raisonnement ici macroéconomique, hein, en dehors des populations fragilisées, ça n'a pas beaucoup de sens d'essayer ici de stimuler la demande au niveau des ménages. En de vraag is inderdaad van de drie redenen waarom de consumenten zouden minder besteden. Ja, vrees voor de virus, ja, geld geven zal dat niet helpen. Omdat het minder leuk is, gaan wikkelen met maskers en dergelijke. Daar ook zou meer geld uitgeven weinig impact hebben. La troisième raison par contre, oui, si les gens se préoccupent de leur avenir, mais il faut que la politique de relance qu'on mène alors soit crédible. Et on sait qu'en Belgique, on a des effets ricardiens qui sont peut-être pas totaux, mais si les gens savent qu'on leur donne de l'argent aujourd'hui, mais qu'on va devoir le reprendre demain, ils ont tendance, en partie, en tout cas, à l'épargner. La question est peut-être plus compliquée sur les investissements, puisque là, on voit que, autant, finalement, le bilan des ménages, globalement, s'est amélioré pendant cette crise, parce qu'ils ont dû, épargner, autant le bilan des entreprises s'est dégradé. Donc, je pense que des mesures ciblées pour renforcer, notamment par des prêts subordonnés, comme les régions le font, le bilan des entreprises est une bonne politique. Het laatst toe om de discussie over de dilutie van de aandeelhouders een beetje uit te stellen. Omdat vandaag zou nieuwe investeerders blijkbaar een dilutie vragen omwille van de onzekerheid van de prijzen aan de huidige aandeelhouders. Dus achter de stelde leningen van 3-4 jaar zijn denk ik een elegante manier om dat op te lossen. Est-ce qu'au-delà de ça, il faut des incitants fiscaux pour relancer les investissements privés? Ben, voilà, quand les taux d'intérêt sont aussi bas qu'ils ne le sont aujourd'hui et que les entreprises, on a évidemment une petite économie orientée à l'exportation, s'inquiètent des marchés internationaux, je crains un peu que des mesures fiscales de soutien à l'investissement ne produisent à ce stade-ci de la crise d'importants effets d'aubaine. Les entreprises qui auraient de toute façon investi vont bénéficier des avantages fiscaux. Mais franchement, une entreprise qui aujourd'hui ne trouve pas utile d'investir ou n'investit pas avec un taux d'intérêt de peut-être 2% ou 1% pour un prêt aux entreprises, est-ce qu'elle investira demain si ce coût net d'impôt est réduit? Je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'il faut donner des cadeaux fiscaux à des gens qui ont du patrimoine et qui ne trouvent pas aujourd'hui d'investissement rentable? Bon, c'est une question qui ne relève peut-être pas de moi, mais je pense qu'il faut quand même au minimum se la poser. Dan blijven de overheidsinvesteringen. De Blank pleit jarenlang om onze niveau van overheidsinvesteringen te verhogen in België. Dat geldt ook voor de groene investeringen. Maar dit zijn structurele investeringen die we zullen moeten doen.
En dus hoe dan ook zullen wij op termijn toch de nodige financiering moeten vinden om dat te doen. Misschien minder in de eerste jaren. Maar dan is ook gewoon het tijdsverschil, tussen het moment waar men een beslissing neemt en het moment waar de investering plaatsvindt. Donc en général, relancer les investissements pour soutenir la croissance n'est pas très efficace à court terme. Maintenant, tout ce qui est dans la fameuse liste de projets qui est dans les tiroirs et qu'on n'a qu'à ressortir pour les réaliser le plus rapidement possible, oui, ça oui, je suis d'accord, je crains que cette liste ne soit pas nécessairement très longue. Donc je plaide quand même pour un minimum de prudence sur les montants, je ne dis pas qu'on doit rien faire, mais certainement pas arroser à tout va. D'une part, et puis problème, peut-être se donner un petit peu de temps. Par exemple, est-ce que l'industrie de la construction va redémarrer ou pas? On entend des signaux en sens divers, les gens ont passé beaucoup de temps chez eux, il faisait beau, il y a apparemment beaucoup de demandes pour les piscines, beaucoup de gens auraient des idées de rénovation chez eux. Est-ce qu'il faut tout de suite donner des avantages fiscaux à ce secteur? Je ne sais pas, mais non, s'il ne redémarre pas, peut-être qu'il faudra le faire. On sait aussi que la composante de main-d'œuvre importée est importante dans le secteur de la construction en Belgique. Et en toute franchise, les gens qui perdent leur emploi dans le secteur de l'horeca ou du retail ne vont pas facilement et immédiatement retrouver de l'emploi dans le secteur de la construction. Et on pourrait assez vite buter dans certains secteurs ou sous-secteurs sur des contraintes d'offres. And then last but not least, we weten dat we in België veel zombie firms hebben. In welke mate heeft dat te maken met fraude, weet ik niet. Maar volgens de Europese definitie hebben wij meer dan 15% van onze ondernemingen die zombie firms zijn en die ofwel niet in staat zijn om hun rentelast te dekken of belastingen te betalen en ook die hebben retards d'impôts. Et là aussi, il y a probablement une partie de ces firmes dont il est souhaitable qu'il y ait un tout petit peu de création destructive schumpeterienne. Je sais que c'est un petit peu difficile de tenir ce discours, mais on ne peut pas sauver toutes les entreprises, c'est probablement pas souhaitable de les sauver toutes. Donc pour résumer, et en m'excusant d'avoir été très long, mais je crois que c'est un débat important, soutenir l'économie dans une crise comme celle-ci qui est unique, oui, évidemment, donc on oublie l'assainissement et on doit faire tout ce qu'on doit faire pour empêcher un effondrement de notre économie. Est-ce qu'on peut se permettre de mener une politique de relance tous azimuts par dizaines de milliards comme on le fait en Allemagne? Et est-ce que ce sera efficace? Je plaide pour de la prudence et pour essayer de continuer à mener le plus possible des politiques ciblées, comme je crois jusqu'à présent on l'a bien fait. Hein, donc encore une fois, tijdig, maar ook gericht en tijdelijk en zeker tijdelijk, omdat wij structureel zeker te kampen hebben met een groot probleem. En dus down the road, het zal zeker niet leuk zijn om de overheidsfinanciën in België te moeten naar een evenwicht brengen en het zal jaren duren. Voilà, je vais en rester là. On a peut-être été plus long que l'annonce d'une présentation d'une demi-heure. Mais il y a certainement du temps pour les questions. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je peux un petit peu déborder au-delà de 2 heures si besoin. Dank u wel, gouverneur. Merci, gouverneur Pierre Wunsch. Dank u wel, Geert Langenus. Oui, en effet, on a reçu beaucoup de questions, presque une centaine de questions. Er zijn heel veel vragen gekomen van mensen die graag de presentatie zouden krijgen. Donc, il y a beaucoup de questions des gens qui nous ont demandé est-ce que vous pouvez nous envoyer votre présentation. We gaan die presentatie deze namiddag nog op de website van de bank publiceren. Donc, on va publier la présentation sur le site de la banque encore cet après-midi. En jullie gaan ook nog een mail krijgen de volgende dagen met een link. En we gaan ook nog proberen vragen die we vandaag niet kunnen beantwoorden via onze website te beantwoorden. Donc, vous recevrez dans les jours qui viennent un lien pour cette présentation si vous n'en êtes pas sur le site aujourd'hui. Et on va également essayer de répondre les questions qu'on ne peut pas répondre maintenant. On va les répondre sur notre site internet. Maar dan nu de vragen. Er zijn nogal wat vragen gekomen over de koopkracht en de boodschap van de bank, die daar eigenlijk wel vrij positief is. En hoe valt dat te rijmen dat de koopkracht weinig of niet gaat aangetast worden met het verlies van 180.000 jobs? Is dat geen contradictie, vraagt iemand zich af. Donc, question concernant le pouvoir d'achat.
La banque est assez optimiste concernant l'évolution du pouvoir d'achat. Est-ce que ce n'est pas une contradiction avec les 180 000 pertes d'emploi qu'on a prévues dans notre projection? En nog over de pouvoir d'achat, nog over de koopkracht. Est-ce qu'on voit des grandes disparités en fonction des catégories de personnes? C'est une question. Et quelqu'un dit même, est-ce que vous raisonnez en moyenne, c'est travestir la réalité des gens? Voilà, dus ik geef graag het woord aan Geert Langenus en gouverneur Wunsch om een antwoord op deze vragen rond de koopkracht te geven. Ik weet niet wie het woord moet nemen, maar ik denk Geert was relatief volledig in zijn uitleg over de reden waarom wij tot een stabilisering van de koopkracht in 2020 gaan. En dat heeft alles te maken met de gemiddelde jaar op jaar. Dus er is een negatief impact van geraamd 5 miljard voor de saldo's van de crisis. En uiteraard, gemiddelden zijn van belang op macroniveau. Maar de distributie is enorm belangrijk ook. En het is een zeer asymmetrische crisis. Donc évidemment, certains secteurs qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. On a fait aussi des analyses qui montrent que même si la couverture du chômage temporaire est plutôt a priori meilleure pour les bas salaires que pour les salaires élevés par construction, le taux de remplacement est plus élevé puisqu'il y a un plafond, que les bas salaires sont en général plus touchés en volume, c'est une étude qu'on va bientôt publier, et donc que net-net probablement que les pertes de salaire temporaires sont plus importantes pour les bas salaires que pour les salaires plus élevés, indépendamment de cette couverture qui a priori est meilleure en termes relatifs en tout cas. Maar ik geef misschien het woord aan Geert voor meer info in dat verband. Ja, dank u wel, Pierre. U hebt eigenlijk al alles gezegd. Ik wil nogmaals benadrukken dat we niet zeggen dat de koopkracht niet geraakt wordt door de crisis. Integendeel, we zeggen dat er ongeveer 2% koopkracht verloren gaat nu. In de huidige crisis is 2% misschien niet veel. Maar mocht ik dat zeggen in een andere projectie, in een ander jaar, ja, dan zal het kolossaal zijn. Het is alleen zo dat we eigenlijk voorzien hadden dat de koopkracht relatief sterk ging stijgen, al in de decemberprognoses. En dat zelf met die 2% eraf, we nog altijd relatief positief zitten. En een bijkomend element, dat is een beetje technisch, heeft te maken met de lage inflatie dit jaar. Dus u hebt allemaal gezien als u onlangs getankt hebt, of zeker als u een maand of zo geleden getankt hebt, dat de benzineprijzen en de prijzen voor petroleumproducten bijzonder laag waren. Dus dat betekent dat dat de koopkracht voor de mensen is gestegen, want de indexatie van bijvoorbeeld lonen, bijvoorbeeld sociale uitkering enzovoort, is meestal gebaseerd op de inflatie uit het verleden. Wat dus betekent dat ons loon of dat onze uitkeringen meer zijn gestegen dan de eigenlijke inflatie op dit moment. Dat is een fenomeen, een technisch fenomeen dat u altijd ziet als de inflatie plots sterk daalt. En wat dus dit jaar het geval was. Gewoon pour la petite histoire, we hebben het ook eens berekend zonder dat effect van de bijkomende, zonder dat bijkomende effect liever van die olieprijsdaling. En daar zouden we wel degelijk een weliswaar kleine daling van de koopkracht hebben gehad. Dus het is die twee elementen samen. Het feit enerzijds dat automatische stabilisatoren, dat is een structureel kenmerk van de economie, in België bijzonder groot zijn. Dus in België val je niet onmiddellijk terug op minimuminkomens of zelfs geen inkomens. In andere landen is dat iets meer het geval. En dan de toevalligheid dat we geholpen zijn door de heel lage inflatie dit jaar. Wat u zegt over gemiddelden, dat klopt natuurlijk. Gemiddelde zegt alles en niets. Het zegt veel voor mensen zoals mij die moeten proberen de gemiddelde trends in de economie wat volgen. Maar het zegt natuurlijk niets voor individuele situaties. En de gouverneur heeft daarnet aangekondigd. We hebben ook een enquête gedaan bij de gezinnen en we hopen die binnenkort te gaan publiceren, waarschijnlijk begin volgende week. De resultaten daarvan zullen effectief aantonen dat niet iedereen, en de gouverneur heeft er al op gealludeerd, vooral niet de laagste inkomens een sterke stijging van hun koopkracht hebben. Mais c'est peut-être pour ça, si je peux revenir, Geert, sur le. C'est peut-être pour ça de nouveau que mon message, c'est surtout en matière de relance, qu'on doit continuer à mener des politiques qui sont ciblées sur les entreprises, les secteurs et les personnes qui ont été touchées par la crise.
Donner de l'argent à ceux qui ont préservé leur emploi, le personnel de la Banque nationale et autres. Quand on a lancé le RMG au moment du kick-off, comme vice-président, j'ai dit aux personnes qui étaient autour de la table, si dans le cadre de cette crise, nous recevons de l'argent collectivement, hein, j'avais autour de moi des chefs de cabinet et des membres du G10 élargi, Bureau du Plan et autres. C'est probablement en partie de l'argent qui ne va pas où il doit aller. Alors, on ne parviendra toujours à cibler parfaitement, mais vraiment, le plus important, c'est d'essayer de toucher les gens qui ont été victimes de la crise. Et peut-être de manière plus spécifique, en matière de confiance, d'éviter effectivement le plus possible des faillites. Et ce n'est pas plaider pour les entreprises contre les ménages, mais c'est simplement, je crois ici, s'assurer qu'en tout cas les entreprises qui sont viables et qui ont un business model qui est sain, peut-être pas les zombies, puissent passer le cap de cette crise. Et je pense que ça peut contribuer à rétablir la confiance. Au-delà de ça, on avait un marché du travail qui a bien fonctionné au cours des dernières années, on a créé beaucoup d'emplois. Je crois que c'est aussi important de ne pas faire des bêtises et de ne pas recréer des rigidités qui avait notamment été créé suite au choc pétrolier et qu'on a pris des années avant de pouvoir dont on a pris des années avant de pouvoir s'extraire. Dank u wel. We hebben ook heel wat vragen gekregen over de banken en le comportement des banques. Il y a beaucoup de questions. Il y a quelqu'un qui demande, les taux sont fort bas, mais les entreprises ayant besoin de ce financement bon marché n'ont pas toutes l'accès à ce financement. Est-ce que les mesures prises par le gouvernement, Banque nationale et les banques au début de la crise, est-ce qu'ils ont eu leur effet, oui ou non? En iemand anders vraagt zich ook af, gaan de interest rates niet verhogen de volgende jaren als gevolg van deze crisis? En hoe zit het met de evolutie van de non-performing loans? Donc, il y a quelqu'un qui également pose une question. Est-ce que les taux d'intérêt ne vont pas s'élever? Et où en est avec les crédits hypothécaires et autres crédits que les gens ne peuvent pas rembourser? Est-ce qu'on voit une évolution négative là? Alors peut-être sur les garanties bancaires, bon, on a mis en place un système assez vite en Belgique et avec les connaissances qu'on avait à ce moment-là, on a surtout voulu enfin, offrir aux banques un stop-loss avec une garantie pour leur nouveau prêt. Mais c'est vrai avec une première tranche qui était à charge des banques. Hein, donc on avait estimé que le premier 1,5 milliard de pertes sur un ensemble de bilan bancaire et de fonds propres des banques est quand même assez élevé, que le premier 1,5 milliard de pertes était absorbable par les banques. Et donc, de manière assez unique en Europe, on avait un système où la garantie augmentait en fonction des pertes des banques. Rien sur la première tranche, et puis 50-50, et puis du 80-20. Bon, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les banques prêtent plus que l'année passée à la même période. Donc globalement, de nouveau, si on parle de moyenne, on sait que ça ne suffit pas. Mais en moyenne, les banques jouent le jeu. On voit aussi que pour l'instant, le nombre de refus est assez en ligne avec les années précédentes. Mais on voit que les banques prêtent surtout hors garantie pour des périodes plus longues. La garantie était prévue pour 1 an. Ça n'avait pas fait l'objet à ce moment-là d'une longue discussion. On se rend compte qu'un an, c'est sans doute trop court. Et puis probablement aussi que les banques préfèrent prêter sans garantie parce qu'elles estiment que pour beaucoup d'entreprises, le risque reste toujours acceptable. Et que donc pour ces entreprises-là, elles préfèrent ne pas leur faire payer la prime de garantie de 25 points de base ou de 50 points de base. Bon. Maintenant, il y a une série d'entreprises dont le coût du risque, hein, le risque de faillite NPL, est plus élevé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour des entreprises qui ont un coût du risque de 200, 300, 400, 500 points de base, le système de garantie ne suffit pas. Et je crois que finalement, la solution qu'on a trouvée, à savoir d'offrir pour des montants plus réduits, 10 milliards, des garanties ciblées sur les PME, permet normalement d'éviter deux écueils. Un, c'est quand même des effets d'aubaine, parce que bon, pour des entreprises qui ont un coût du risque de 50 ou 100 points de base, je pense que les banques aujourd'hui doivent pouvoir leur prêter sans intervention de l'État. Et si on devait offrir des garanties à 80 ou 90%, ben, ce serait effectivement faire un cadeau aux banques, parce que les prêts à ce type d'entreprise sont a priori globalement rentables. Mais les banques, c'est assez naturel, aujourd'hui, ne prendront pas le risque de prêter à des entreprises dont le coût du risque, hein, est plus élevé, 2, 3, 400, 500 points de base. Et c'est là que la nouvelle garantie d'État devrait intervenir. Ça va prendre un tout petit peu de temps, on espère pouvoir la finaliser au mois de juillet. Et donc, je crois que là où les banques sont un peu attentistes aujourd'hui,
il y a une réponse qui a été apportée ou qui est en voie d'être apportée, et puis aussi l'action des régions avec des prêts subordonnés. C'est vrai qu'à l'ERMG, op niveau van de ERMG, ervoor gepleit om zeker niet te beginnen met sectorale maatregelen, maar een beetje wachten afhankelijk van de lockdown en hoe de verschillende sectoren getroffen zijn door de lockdown, maar om een transversale maatregel te nemen op niveau van solvabiliteit. En wij hadden ervoor gepleit om achtergestelde leningen te voorzien. Bon, il y a une discussion en Belgique sur le niveau de pouvoir qui peut le faire. Apparemment, c'est plutôt les régions, et donc les régions sont en train de le faire, pas toujours tout à fait de la même manière, mais c'est un deuxième élément, je crois, combiné aux garanties fédérales qui doit permettre d'assurer le financement des entreprises saines ou à risque, mais dans un niveau de risque qui est raisonnable. La deuxième question, c'était sur les taux. Est-ce que les taux vont remonter en toute franchise? Je ne le crois pas. Si on regarde les forwards de marché, c'est peu probable. Par contre, l'inflation, il y a un vrai débat. Est-ce que l'inflation va reprendre? Et vous allez me dire que les deux sont évidemment liés. C'est une question de temps. Je pense qu'il y a une certaine tolérance au niveau de la Banque Centrale Européenne pour permettre à l'inflation d'abord de se développer. Peut-être même un certain overshooting. C'est l'idée que notre objectif est symétrique. Avant qu'on doive réagir. Donc je crois que les taux vont rester bas au moins pendant encore un certain temps. Et les NPLs, oui, les NPLs vont augmenter, mais en partie augmenter, en tout cas pour les nouveaux prêts sous garantie d'État. Et on a des banques très bien capitalisées en Belgique, donc je ne me fais pas trop d'inquiétude en la matière. En tout cas, tant qu'on reste dans les scénarios exposés ici, si on devait aller vers le scénario extrême, tout devient beaucoup plus compliqué. Mais ça, l'enjeu, c'est évidemment d'avoir en place les systèmes de tracing et testing, mais surtout d'action locale pour éviter qu'on doive reprendre un lockdown au niveau national. Dank u wel. Een aantal vragen gaan ook over het relanceplan. Moet dat relanceplan niet meer gericht zijn op ondernemingen en zelfstandigen dan in plaats van op de particulieren die men nu wil bijvoorbeeld corona-checks gaan geven? Zou het niet beter zijn dus vooral de bedrijven te gaan ondersteunen in plaats van de consumptie van de consument? Ja, het is een terechte vraag nu. Men moet toch... bekeken, allez, waarover gaat het? Hein? Als men hier en daar checks geeft, ja, ik heb kritiek gezien in de pers. Soms is de logica van een tussenkomst niet evident. Hein? Waarom nu iets geven voor iemand die werkloos was voor de crisis en dan tijdelijk en dan wat er gebeurt er binnen zoveel maanden? Maar allez, we spreken ook niet van miljarden. Maar inderdaad, en we zien het hier, de tussenkomst van de staat. Ik denk de redenering dat de staat een soort van rol moet spelen van verzekeraar van last resort, omdat dit is niet verzekerbaar door de privésector. En dus dat er een tussenkomst is door de staat om de meest kwetsbaar delen van de bevolking, huishoudens en ondernemingen, te ondersteunen in de crisis is denk ik een terechte redenering of een manier van het probleem aan te pakken. En donc dans ce cadre-là, on voit pour l'instant, simplement parce que les mécanismes préexistent, chômage temporaire, overbruggingsrecht, qu'on a peut-être fait moins pour les entreprises, mais on voit que c'est en train de venir, modification du régime de garantie et intervention des régions en solvabilité. Il y a aussi des réductions de TVA qui, à mon avis, vont surtout servir à resolvabiliser le secteur de l'horeca plutôt que de réduire les prix, parce qu'au niveau de capacité auquel ils fonctionnent aujourd'hui, ils ne sont sans doute pas tout à fait rentables, en tout cas pour certains d'entre eux. Donc oui, difficile. Maintenant, on voit aussi que parfois, politiquement, donner à l'un implique de devoir donner à l'autre. Tant que c'est dans des proportions raisonnables, bon, on sait aussi que si c'est de donner de l'argent au bas revenu, il y a plus de chances d'être dépensé. Mais je pense qu'il faut aussi être attentif aux questions d'équité horizontale et de logique et de level playing field. Hein. Donc si on commence à aider certains secteurs, mais pas d'autres, on commence à avoir parfois des problèmes de logique transversale. Et je pense qu'il faut être attentif parce que on va devoir dans les années qui viennent tous faire preuve d'un certain réalisme et de solidarité. Et si les gens ont l'impression que certaines mesures ne sont pas justifiées, ça rend parfois, ou ça peut cacher le fait qu'au final,
les mesures qui ont été prises vont dans la bonne direction. En ik zeg net niet om plezier te doen. En mijn rol is soms om niet plezier te doen en aan de mensen te herhalen dat attent te maken dat geld, het idee van gratis geld bestaat niet. Maar allee, ik denk dat wij ook moeten beseffen dat wat wij tot nu toe gedaan hebben in België, op beide fronten van de sanitaire crisis, maar ook economische front, ik zou zeggen 80-20, dat het wel gepast was. Gouverneur, est-ce que c'est le moment pour introduire des taxes CO2 ou pour pousser l'économie verte? Mais moi, je suis évidemment, ma formation, c'est économiste public, hein, donc public economics. Donc moi, j'ai été formé avec les externalités et les taxes pigouviennes. Donc je suis évidemment pour les taxes CO2, pour la taxation du kérosène et ce genre de choses. Mais je l'étais avant la crise. Je crois que l'idée que les défis... Enfin, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'avec la crise, ceux qui sont pour les baisses d'impôts vous expliquent, ben évidemment, la crise confirme qu'il faut des baisses d'impôts. Ceux qui sont pour les augmentations de dépenses vous disent, mais évidemment, la crise confirme que le rôle de l'État est important. Et il est d'ailleurs important en Belgique. Et pour ceux qui sont attentifs au climat, ils disent, mais vous voyez, ça justifie une politique climatique évidente. Donc je crois qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil en la matière. La plupart des gens continuent pour plaider pour leur chapelle. Et en fait, parce que les défis sont les mêmes que ceux qu'on connaissait avant la crise, simplement, malheureusement, on aura moins d'argent pour y faire face. Donc oui, je suis pour une politique climatique ambitieuse et dont fait partie, à mon sens, inévitablement, une taxe CO2. Peut-être en passant, mentionner que le fait qu'on ait un objectif de volume en termes d'émissions plutôt que... un objectif de prix du CO2 rend l'incertitude très importante pour les entreprises, parce qu'il faut être clair, hein, l'objectif d'émission de neutralité CO2 en 2050, sur base de la technologie actuelle, c'est impossible. Donc sur base de la technologie actuelle, si on voulait y arriver, il faut une taxe CO2 infinie. Et ça, c'est évidemment, on ne peut pas se le permettre. Donc moi, je plaide quand même pour qu'on donne un profil à cette taxe CO2 qui soit raisonnable. On commence avec un niveau de taxe qui n'est pas trop élevé et on donne un minimum de temps aux entreprises pour pouvoir s'adapter. Mais la question est alors, est-ce que cette taxe sera suffisante pour arriver à la neutralité climatique en 2050? Ce ne le sera que s'il y a un développement technologique rapide et ça, c'est pour partie incertain. Oké, merci. We zijn enerzijds nu geconfronteerd met de zware impact van COVID-19, mais il y a un autre cauchemar qui va arriver, qui vient de l'Angleterre, et ça c'est le Brexit. Quel sera l'impact du Brexit pour notre pays? En heeft u daar al rekening mee gehouden in deze projecties? Ik zal misschien het woord geven aan Geert, maar ik denk niet dat we een hard Brexit voorzien hebben in de projectie. En het impact zal voor België een van de grootste zijn in Europa, Geert? Ja, dat klopt, Pierre. Dus wat in de Brexit staat, is een soort deal dat men toch zou kunnen bereiken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, vergelijkbaar met de CETA Agreement van Canada. Als dat erger is, als dat bijvoorbeeld een hard Brexit is, ja, dan is dat uiteraard een bijkomend risico voor de projecties. Zal België daar, in welke mate zal België daarvoor door getroffen worden? Daar zien we inderdaad, alle studies wijzen erop dat wij uiteraard bij de landen zullen zijn die het zwaarst getroffen zullen worden. Tegelijkertijd heeft onze economie zich nu al gedurende jaren eigenlijk kunnen voorbereiden op een eventuele hard Brexit. Dus er zijn wel al bepaalde maatregelen genomen om de kosten daarvan te verzachten. Maar laten we ervan uitgaan dat er momenteel nog geen hard Brexit op tafel ligt. Nog een vraag in verband met het buitenland en mensen kijken naar Duitsland, waar ze hebben gezien dat er een zeer ambitieus herstelplan is, waar de overheid bijzonder veel geld in het herstel aan het pompen is. Ze vrezen dat de Duitse bedrijven nog sterker gaan worden en nog meer gaan domineren in de Europese economie. In dat verband, dans le cadre de la relance, les investissements directs étrangers constituent-ils un obstacle ou une menace? Ja, Duitsland. Er was heel veel kritiek tegenover Duitsland omdat ze niet bereid waren om een relancebeleid te voeren voor de crisis. Maar ze stonden op volledige tewerkstelling, dus het had niet veel zin om dat in Duitsland te doen. Het zou misschien goed zijn geweest voor de rest van Europa, maar politiek
politiek blijft meestal lokaal. Nu, ze hebben reserve opgebouwd in de laatste jaren. Ze hadden een overschot. En ja, voor mij een Keynesiaanse beleid is sparen als het goed gaat en uitgeven als het slecht gaat. Ik weet dat voor veel mensen een Keynesiaanse beleid voeren is altijd meer en meer doen. Nu ja, Duitsland plukt nu de vruchten van de inspanning van de laatste jaren. Ze hebben heel veel middelen, ze hadden een overschot, een heel lage schuld. En ze kunnen ze dingen veroorloven dat andere landen niet kunnen. Nu, het blijft wel van belang dat wat Duitsland doet een positief impact zal hebben op Europees niveau. Niet alleen de haatcijfers aan de 130 miljard, maar ook op vertrouwensniveau. Het feit dat Duitsland, en ook voor een deel symbolisch, dat ze iets bereid zijn te doen op Europese niveau, is denk ik enorm belangrijk. Het toont aan dat de Duitsers de Europese economie niet willen laten vallen. Dat ze bereid zijn om een inspanning te doen. Blijkbaar in eerste instantie voor de Duitse economie, maar met positief impact voor de rest van Europa. Maar ook het feit dat la chancelière soutient un effort de 500 miljard au niveau européen, en partie en grant. Bon, maintenant, il faut être réaliste. Hein. Ce que l'Italie va finalement recevoir en net, je crois que c'est maximum 1% du PIB, elle va vers une dette de 160% du PIB. Het zal de houdbaarheid van de Italiaanse schuld niet veranderen, maar het toont aan, politiek gezien, dat er is een wil om een oplossing te vinden. Je dois dire que moi, j'ai jamais été très convaincu par l'idée qu'on devait aller vers une Europe de transfert ou vers des eurobonds, simplement parce que je pense que c'est avant tout une question politique et que les conditions n'étaient pas remplies. Mais cette crise-ci est vraiment une crise qui n'est pas liée à des politiques moins appropriées qui auraient été menées dans certains pays. Hein. Ce n'est pas les fraudes qu'on a connues en Grèce avant la crise de 2008-2009. Et on voit que ça a un impact sur ce qui est possible politiquement. Et ça, c'est très positif. Je crois que c'était, oui, plus difficile d'aider la Grèce après 2008-2009 quand ils avaient triché sur toutes les règles. Parce que, voilà, faire partie d'un club, c'est aussi un certain degré de confiance et de communalité dans la manière dont on gère les choses. Ici, on a une crise, c'est la faute à pas de chance. Et on voit que la réaction politique au niveau européen est différente. Et je crois que c'est très louable. Alors la deuxième question, c'est sur le FDI, les Foreign Direct Investment. La Belgique est un petit pays, une petite économie ouverte, c'est ce qui a fait notre prospérité et ça reste pour nous, je crois, une opportunité. Nous sommes parmi les pays qui ont le plus bénéficié du consensus de Washington d'après-guerre, des institutions qui ont été créées au niveau international, le FMI, le commerce international, l'Europe. Ce sont des petits pays comme nous, ouverts, polyglottes et je crois avec une certaine ouverture au monde qui bénéficient de ce monde-là. Et nous aurions tout à perdre de manière très claire d'un monde qui irait vers du protectionnisme parce que notre économie est un des grands vainqueurs de la globalisation. Et d'ailleurs, avec aussi, en termes d'inégalité, il faut le rappeler, des chiffres qui ont évolué relativement favorablement à la grosse étude qui a été faite par le CDE il y a quelques années, relevait la France et la Belgique comme les deux seuls pays où les inégalités avaient baissé. Il y a une étude qui a été faite récemment par Philippe Defaite qui montre qu'avec les revalorisations des minima sociaux en Belgique, on a eu une augmentation du revenu d'insertion qui a été plus rapide que les salaires, donc, qui reste en dessous du seuil de pauvreté, mais qui a été plus rapide que les salaires. Donc on est parmi... au niveau mondial, parmi ces petits pays qui sont parvenus à combiner mondialisation et sécurité sociale. Et donc oui, la Belgique a connu une forme de mondialisation heureuse qui n'est peut-être pas présente partout, mais je crois qu'il faut avoir ça en tête. In die context nog een laatste vraag. Ik ga een aantal vragen samenvatten. Gaat Europa niet zeer streng zijn voor België als onze staatsschuld zo gaat toenemen? Doit on s'attendre à de nombreuses années d'austérité? Et dans ce contexte, quel est le futur de notre sécurité sociale? Voilà. Well, de schuld zal stijgen in alle Europese landen en zelfs meer in Duitsland misschien dan in andere landen.
En het moet stijgen. Dus nog eens, we moeten tussenkomen om een instorting van onze economie te vermijden. Maar op een zeker moment zullen wij moeten over de landingsveld beginnen na te denken. En dus inderdaad, wat ik recent gezegd heb in de media, is niet meer en niet minder dan dat. Er zal op een zeker moment een limiet zijn aan wat wij ons kunnen veroorloven. Mais je ne plaide certainement pas pour une reprise de l'assainissement, certainement pas cette année-ci, mais même en 2021-2022. Je pense qu'il faudra encore être très prudent, voir comment l'économie redémarre. Mais quand on voit qu'elle commence à redémarrer, il faudra à un moment donné simplement constater qu'on a un déficit qui est insoutenable à terme, tel que montré aujourd'hui dans les projections. Et ça ne veut pas dire que la sécurité sociale va disparaître. Ça veut simplement dire que voilà, on va devoir faire des efforts ici et là. Mais c'est pas du noir au blanc, on va pas tout d'un coup passer d'une sécurité sociale généreuse à pas de sécurité sociale du tout. Par contre, ceux qui replaident pour dire que dans les soins de santé, on doit pouvoir réintroduire une norme de 3% de croissance réelle, c'est juste pas tenable. Dans une économie qui a un taux de croissance de 1,5%, qui est confrontée à un vieillissement de la population et qui a un déficit de 6% du PIB, on ne pourra pas, année après année, augmenter les dépenses de soins de santé de 3% par an, sauf à considérer qu'on est complètement d'accord pour supprimer des pans entiers des dépenses publiques dans d'autres domaines. Et les gens demandent parfois, mais est-ce que c'est faisable de réduire les dépenses publiques? Mais avant la crise, on était à 50% de dépenses publiques, on a même été à 52%, l'Allemagne était à 45%, les Pays-Bas à 43% ou inversement. Donc oui, c'est faisable. Et ni les Pays-Bas ni l'Allemagne ne sont des déserts sociaux. Donc c'est tout à fait faisable. Bon, il faut aussi se rendre compte qu'en Belgique, on a quand même une différence entre le nord et le sud. Les dépenses publiques dans le sud du pays, et plus parce que l'assise économique privée est trop faible, ben elles sont probablement entre 2/3 et 3/4 du PIB. Donc ce sont quand même des chiffres, à un moment donné, on atteint à un moment donné certaines limites en la matière. Voilà, dank u wel, gouverneur Pierre Wins en Geert Langenus. Merci bien, Geert Langenus, économiste département des études de la banque, et gouverneur Pierre Wins. On a reçu 160 questions. Il y a des questions techniques dedans, très précises. Ce qu'on va essayer dans les jours qui viennent, c'est de répondre à ces questions sur notre site internet de la banque, nbb.be. Et là, vous allez également trouver notre présentation cet après-midi encore. Un grand merci pour participer de notre webinaire de la banque. On va continuer cette formule dans les mois qui viennent. Dank u wel om mee te hebben gedaan in ons webinaire van vandaag. De volgende maanden gaan we deze technologie zeker nog opnieuw gebruiken om te communiceren naar jullie toe. Ik wens jullie alvast een fijn weekend toe. Merci en een beau weekend. Merci à tous.